club. Il m'a dit, j'appelle l'agent, je dis, mais c'est pas le club que tu m'as dit. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'est un bon club et tout, tatati, tatata. Je dis, putain, il me met des disquettes. Je demande à mon pote, en France, je dis, regarde tel club et tout. Je me renseigne, en plus, je dis, tiens, je parlais pas très bien anglais et tout. Je demande à mon pote, je dis, tiens, le club, regarde. En fait, l'enfoiré, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a envoyé dans un club. Ils étaient en D2. Et moi, au début, j'envoie le nom du club. Et je dis à mon pote, regarde, ils sont combien en D1 et tout. Parce que, tu sais, c'est pas mal et tout. Peut-être, je vais signer. Il me regarde, il me dit, gros, ton club, là, que tu m'as envoyé, ils sont pas en D1, frérot, je les vois pas. Je dis, regarde D1, je te dis, ils sont en D1 quand même. Il regarde, il me dit, ils sont pas en D1. Il me dit, attends, je vais regarder en D2. Je dis, mais c'est pas D2, frère. C'est pas D2. Qu'est-ce que tu penses de D2? C'est pas D2, je te dis. Il regarde, il me dit, eh, mais ton club, ils sont en D2. C'est un club de D2. Je dis, mais non, il a pas fait ça, l'agent. Il m'a pas fait ça. Il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, tu peux pas m'envoyer un jeune de 19 ans là-bas en Turquie lui faire un mensonge comme ça. Et je lui dis, ok, d'accord, ok, ça va, ils sont des deux, Jibo, bon. Ils sont combien? Ils sont premiers, ils sont deuxièmes, ça joue la montée. Il dit, frère, ils sont relégables en D2. Je dis quoi? Je dis quoi? Ils se foutent de ma gueule, lui. Je dis, qu'est-ce qu'il va arriver?